toutes les journées d'aujourd'hui n'ont qu'un seul et unique objectif, partir, partir, quel que soit le prix à payer. On voit plein de nos frères, nos sœurs qui sont tués. Qui sont tués sur les mers, dans le désert, parce qu'ils veulent tous aller vers l'Eldorado. Ils se disent que l'Eldorado, ils se disent qu'une fois en Europe, tout va pour le mieux. Où voulez-vous partir, mes frères? Où voulez-vous partir alors que l'Afrique a besoin de nous? Alors que notre Afrique mère a besoin de nous? Hein? Vous avez du talent, mes frères. Avec cette force, cette belle énergie que vous avez, je suis sûre que vous pouvez braver toutes les montagnes du monde. Alors ne les gaspillons pas. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on essaye de sensibiliser un peu nos frères pour leur dire qu'on peut travailler ici chez nous et réussir. Nous avons des exemples, il y a beaucoup de Guinéens que moi je connais personnellement, qui ne sont jamais sortis de la Guinée d'ailleurs, mais qui ont travaillé ici, qui ont réussi. Comme pour leur dire que oui, on peut le faire. Ne les gaspillons pas nous jetant dans le désert ou dans la mer. Au contraire, utilisons-les pour nous mettre ensemble ici chez nous en Afrique et réussir. Nous pouvons le faire. Il nous suffit juste d'avoir de la volonté. Ayons cette volonté de nous mettre ensemble, d'entreprendre ici chez nous et réussir. Ensuite, nous pourrons voyager, nous pourrons faire le tour du monde pour vendre notre culture, pour vendre notre art. Mes sœurs, mes frères, notre Afrique a besoin de nous. Notre Afrique mère a besoin de nous. Quel que soit le domaine dans lequel tu as envie d'exceller, si tu y mets de la volonté, tu y mets tout ton amour, tu y mets toute ton énergie, à la fin, forcément, tu réussis. Personne d'autre ne viendra travailler à notre place. Il faut qu'on reste ici chez nous en Afrique, entreprendre ici et réussir. Nous pouvons le faire. Il nous suffit juste d'avoir de la volonté. Ayons cette volonté de nous mettre ensemble, d'entreprendre ici chez nous en Afrique. Ce que je dirais à mes frères, il faut qu'on croie en nous. Il faut qu'on croie en nos capacités. Il faut qu'on se dise oui, on peut le faire. Parce que nous pouvons le faire. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut que nos frères croient en eux. Il ne faut pas qu'ils se disent « Non, la solution c'est l'Europe, la solution c'est l'Eldorado. » Non, même étant en Guinée ici, on peut travailler et réussir.